Hello tout le monde! Coucou! Aujourd'hui, on vous retrouve pour nos petites vidéos d'Halloween. Eh oui! Maquillée en conséquence. En poupée ventriloque. Voilà, en poupée ventriloque. Donc, du coup, vous retrouverez le tutoriel pour faire le personnage féminin, mais qui est presque comme le masculin, ouais, sur la chaîne d'Emile. Donc, on vous mettra la vidéo en barre d'infos. Ouais. Et on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour faire une petite sculpture de citrouille. Ouais, on va essayer. On n'a pas trouvé de citrouille à proprement parler. Bon, c'est trop tôt en fait, c'est pas Halloween là, on est mi-octobre, donc c'est un peu dur de trouver des citrouilles. On va essayer de s'en sortir avec ce qui, je crois, est un petit marron. C'est pas trop, mais c'est un peu plus petit. J'espère que c'est pas trop dur et qu'on va pouvoir quand même sculpter. Voilà, donc en fait, c'est un petit concours un peu. C'est celle qui arrive le mieux, puis en même temps, on vous montre comment faire aussi si aujourd'hui vous dites non, j'ai pas fait citrouille, il faut que j'en fasse une, mais bah voilà. C'est parti? Allez, on y va, que la meilleure citrouille gagne. J'ai acheté sur Amazon des petits kits de découpe de creusage de citrouille. Je pense que c'est pour enfants parce que c'est en plastique. On est actuellement dans ma cuisine, alors désolé si l'acoustique est pas formidable, mais bon, on s'est dit que pour creuser ces petites bêtes, valait mieux être là. Donc on va essayer, visiblement, il y a des petites scies pour découper le champignon, le chapeau. Et une fois que c'est découpé, il faut prendre la petite pelle pour creuser l'intérieur, enlever tous les pépins et creuser un peu de la chair. Allez, on y va. Donc il faut... Oh là là. Ah si, il faut scier, mais en biais en fait. Il faut scier... Comment tu fais toi? En rond, en biais? Ah je sais pas. Ah mais en rond? Ouais. Enfin, tu peux faire un chapeau carré, remarque. Hein. Oh, mais ça c'est dur de faire le rond. Bon, si vous êtes petit, faites-vous aider de vos parents. Enfin, à moins que la citrouille soit beaucoup moins dure, parce que là c'est un petit peu dur quand même. Hein. Comment t'as l'air de faire rond toi? Bah, je sais pas, je conduis ma scie. C'est la toute première fois que je creuse une citrouille, hein. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Non, moi je l'ai déjà fait avec Chéri, mais au final c'est lui qui a tout fait presque. Oups. Alors ça c'est censé venir avec le milieu là. Bon, moi j'ai bien scié des quatre côtés là, mais le chapeau ne se lève pas du tout. J'essaye avec ça là, c'est une espèce de... Oh non, c'est en plastique, ça va pas aller, ça va se casser non? Mais non, rien. Hey, hey. Bon, j'ai fait un mini trou. Mais non, regardez, ça vient. Mais alors par contre, le trou est minuscule là, moi faire je fasse un plus gros trou ça. Toi t'as bien fait en fait. Bah oui, mais le trou est trop gros et ça ne se... Ah, regardez, regardez, ça vient. Ouais. Ah, alors là j'avoue, chapeau. En plus ouais, tu vas pouvoir la vider parce que là moi je suis obligée de... Mais toi c'est mieux en arrondi, il faudrait faire un mix des deux en fait. Faire plus grand mais en arrondi. Par contre, c'est très dur à vider hein, cette affaire. C'est notre premier tuto cuisine. C'est vrai. Non mais on est censé pouvoir mettre ça dedans. Tu peux toi? Ah ouais, tu peux. Ouais, mais c'est dur à racler. La meuf est une pro de la citrouille là. Regardez, je suis encore en train de tailler mon trou. Ouais, mais ton trou il est plus beau que le mien. Bah peut-être, mais... Moi je suis clairement en train de faire sarsouille, là j'en ai plein les mains. C'est horrible. Est-ce que vous connaissez l'expression faire sarsouille? Parce que Émilie ne connaissait pas. Ça veut dire un peu... Sarsouiller. Ouais, sarsouiller, faire un peu des bêtises, patauger... Je sais même pas en fait comment vous définir sarsouiller. Bon, je peux toujours pas rentrer ma... Allez, on va encore recouper. Ouais, je continue à creuser. Non mais toi, t'es une pro là. N'empêche, ces petits outils, ben ça marche bien. Bah ouais. Je suis étonnée. Si c'est pour enfants, ça fonctionne. Ouais. Non, je suis vraiment étonnée... La réussite là de la petite... Oh mince, les chapeaux fallait les garder normalement. Ça va être compliqué moi qui ai fait 10 000 chapeaux, mais toi je pense que tu peux. Ah bah voilà. Allez. Parfait. Bon déjà, moins 1 pour moi parce que j'ai pas de chapeau. Ah vous êtes contents de voir ça. On va peut-être pas tout vous laisser hein, parce que dans le genre crado, c'est jamais que du potiron. Mais j'arrive pas à bien racler moi. Non mais c'est dur. Il paraît que les pépins ça se mange genre on peut les faire griller, ouais. Comme des pipasses. Ouais. Bah ça y est, t'es au vidage. Ouais bah enfin. Bon pour le coup les petites... T'essayes pas toi avec la... ça marche pas? Avec la raclette? Ouais. Bah si mais ça glisse et... Je crois que c'est plus facile au doigt. Il y en a beaucoup de pépins. Ouais. Eh moi je trouve que ça marche bien, regardez. Ah ouais. Ça y est, j'ai tout vidé. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Bah si ma petite, c'est vrai, regarde. Putain, elle est comme... Ah non, il y en a encore. Elle est comme neuf.
Je dois dire que pour l'instant, tu mets une raclée. Hein. On passe maintenant à la décoration de nos citrouilles. Oui. Donc on va dessiner les yeux et la bouche et après on va essayer de les découper. Alors moi je pars sur un peu plus compliqué pour le coup, mais je me suis peut-être surestimée parce qu'il y a des arrondis. Mais non, ça va aller, ça découpe bien nos petites... En fait toi là, t'as la citrouille géométrique, tu fais le chapeau carré et les yeux triangles. C'est ça. Bon, on a eu un petit souci de batterie, on sait pas jusqu'où vous avez vu, mais ça y est, on est toujours en train de faire les yeux. Moi j'ai réussi à faire à peu près symétrique. Émilie a fait plus compliqué, donc elle est en train de faire ses arrondis. Elle est en train de galérer. Je vais tenter le sourcil, mesdames et messieurs. Wow. Bon, deuxième œil les gens. Hey. Sourcil ma chérie. Bon bah là je vais rigoler à faire l'autre pareil. Non mais de toute façon on peut jamais faire les deux sourcils pareils. C'est vrai. Et la citrouille ne fera pas exception. Attendez, dans le bon sens c'est comme ça. Non, puis en plus on dit que les deux sourcils sont frères et sœurs mais pas jumeaux. Ah oui, c'est vrai, on dit ça. Et oui. Mais il veut pas partir celui-là. Un sort espèce d'œil. Bon, pareil, il faut que je le nettoie là. Mais en soi, avec les bons outils, c'est pas si dur, je trouve. Je m'attendais à beaucoup plus dur, perso. On se disait qu'on n'allait pas arriver à grand chose avec ce petit kit enfant, mais finalement. Ouais. Ça marche bien. Ça marche bien. Il faut préciser qu'on est quand même pas hyper manuel à la base. Donc si nous on arrive à le faire. Moi les deux yeux sont pas forcément pareils. Hein. Est-ce qu'on voit que c'est des yeux? Tu peux voir? Bah je sais pas, c'est bizarre un peu, non? Bah si, on voit. Ouais. Ça y est, le sourcil est fait, ma chérie. Moi je suis en train de modifier mes yeux pour plus faire des yeux. Mais le problème avec la citrouille ou la courge, etc., c'est que c'est filandreux. Ouais. Donc c'est pas très pratique. Genre ça va se transformer en recette de cuisine. Alors, pour une soupe pour 4 personnes, vous coupez la courge. C'est quand notre anniversaire, on a raté? Le 16. Elle sait même plus quand c'est notre anniversaire. Bon, ce sera passé, hein, vu qu'on fait cette vidéo le 31. Si vous voulez absolument faire ça ce soir, là, et que vous n'avez pas de citrouille et trou... filez au marché, moi c'est là-bas que je les ai trouvés. Parce que à Monop et tout, Fleur elle a galéré, ils étaient tout petits. Ouais. Bon, tu m'agaces. Qu'a-t-elle? Que se passe-t-il? Bah c'est filandreux et j'arrive pas à nettoyer bien. Bah ouais, je tu sais. Prends, tu prends tout le lit là, regarde. Pardon. On dirait que c'est les citrouilles qui parlent. Eh, coucou. Avec tes grands yeux. Eh, coucou. Arrête, c'est la même. Je sais qu'il y a un moment où il va falloir que je passe à la bouche. Ouais, mais pareil. Ça me tend. Ça te tend? Moi aussi, ça me tend. J'aime pas trop les bouches. Mais en même temps, on pourra pas se faire de bisous si t'as pas de bouche. Ah non, et puis je vois pas comment on peut parler après. C'est pas faux. J'y vais au talent. Au talent? J'avoue, je vais un peu y aller au talent aussi parce que j'ai dessiné à la vache. Bon, faites attention à vos doigts dans cette étape. Hein, parce qu'on a les doigts dans la citrouille. Talent! Mais t'es d'une rapidité? Mais c'est un truc de fou! J'aime bien faire les tadas, j'avoue. J'ai fait un gros sourire parce qu'elle est cotin. Non mais je suis épatée quoi. T'es une tailleuse de citrouille née. C'est ça. En fait je vous ai jamais dit mais mon métier, c'est celui-ci. Toute l'année sculpteuse de citrouille. Je sculpte, je suis artiste sur citrouille. T'imagines? Mais il y en a plein. Il y a des trucs de fou d'ailleurs. Oui, je sais pas si vous vous souvenez, mais quand on était à Disney la dernière fois j'avais snappé. Il y avait un artiste qui faisait de la sculpture sur citrouille, mais c'était tout effleuré en fait, c'était pas creusé, ah, c'était vraiment oui. Sculpté. Ouais, ouais, je vois bien. Les ouais. Motifs, c'était trop joli. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Bah attends, moi j'ai pas encore de bouche. Elle est en train de me tailler les dents là, c'est le dentiste. Je suis bête. Je voudrais réussir à enlever ma bouche. Mais elle est chic ta bouche toi. Mais elle a une tête de miel machin. 1, 2, 3. Coucou.
Et voilà le résultat de nos deux petites Faut qu'on les allume aussi après. Ouais, on va mettre une bougie dedans comme ça. D'ailleurs, je vous conseille de mettre une fausse bougie. Je vais vous montrer ce qu'on a pris, mais c'est les petites en plastique là qui font illusion parce que ça aime pas trop la chaleur en vrai les citrouilles. Oui, ça pourrit. Ça y est, on a mis les petites bougies. Donc c'est des bougies, d'Emilie, c'est quoi? C'est des petites électriques. Des petites bougies en plastique, non? Il y a une petite pile dedans. Voilà. Et ça fait bien effet. J'ai trouvé ça chez Tati. Voilà. Mais je pense que vous pouvez en trouver un petit peu partout dans les magasins un peu foire-fouille ou ce genre de trucs.